nous, on est ni l'un ni l'autre. On est des vieux étudiants, pas encore intermittents du spectacle. Et les syndicalistes solidaires. Et quoi ? Attends, solidaire, CGT, tu es un peu solidaire. Non, attends. Mange pas dans ma crèmerie, hein. Ah, mais tu dis ce que tu veux. Et vous êtes CGT ou non ? Oui. Lui, il est CGT. Et donc, vous êtes... Solidaire. Oui. Avec ceux qui luttent contre la mise en place des contrats nouvelle embauche, des contrats première embauche, qui sont... Uniquement discriminant pour les jeunes et qui ne rapporte qu'aux dirigeants des entreprises qui n'offrent que des sous-contrats de travail. Voilà. Donc. Et moi je suis Sud, j'appartiens à Solidaire et je défends la même position pour les jeunes. Et en tant que mère de famille, je suis d'autant plus engagée parce que j'ai une fille qui va rentrer sur le marché du travail. Voilà. Bien. Mais est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes, les policiers, je me demande. Ben les policiers, ils peuvent être parents d'enfants qui n'ont pas de travail, effectivement, ou qui vont avoir un CPE, ou qui auront des difficultés à rentrer dans le monde du travail, oui. Il faut le leur demander, non ? Je ne suis pas sûre que ça soit bien apprécié, quand même. Je pense que c'est un petit peu à risque. Et vous n'avez pas de casque. C'est sûr qu'ils sont en uniforme et en situation de travail. Il n'y a pas d'humour. Ah non. C'est pas prévu. Ah, donc, pas prévu. Toute situation ambiguë peut vous emmener à une situation très délicate. Oh!
filmer parce qu'il y a un droit sur l'image. Vous pouvez regarder. Là, une dame qui est en train de me filmer, je pense qu'elle s'est trompée d'action. Elle est en train de me filmer en train de filmer. Parce qu'elle s'est trompée d'action. Et genre les flics ils étaient venus pour enlever et ben, les gens qui bloquent. Ouais, enfin pas pour virer les gens qui bloquent, mais ils étaient en gros pour pas qu'il y ait d'autres gens qui entrent. D'accord. Voilà. Non mais c'est vrai, alors, ils veulent bien s'il vous plaît, il faut qu'on reste. Là, quand il y a 200 personnes à l'intérieur, ils vont se faire tabasser l'arcade. Donc on va rester, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand même, je suis à Jussieu, moi. On a déjà bloqué toute la journée. On va se faire niquer par les CRS si on part. S'il vous plaît, restez dans le coin. Depuis quand tu es là? Depuis 10 minutes. Mais sinon, tu au quartier latin, tu es depuis quand? Depuis un mois. Alors, comment ça te plaît? Ça me plaît bien, ouais. Excusez-moi, mais je vois que de l'uniforme, je vois plus de jeunes. Donc là, on sait même plus ce qui se passe. Je pense que c'est eux qui investissent les rues. C'est plus les jeunes. C'est plus les militants, c'est les flics qui investissent les rues. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Là, qu'est-ce qu'on dit? Les flics envahissent la rue. Ils sont eus. On voit même plus ce qui se passe. On voit même plus ce qui se passe. On ne voit que des CRS. On ne voit que des police CRS, partout, que des camions de police. Nulle part. La justice, la police, elle est partout. Ils sont où les gens? On sait même plus pourquoi on est là. On voit que des flics. Il y a quoi? Il y a trop de manifestants, 200 chefs. Ouais. Mais est-ce qu'il y a encore du monde dans le Sorbonne? Ah non, me filmez pas. Est-ce qu'il y a encore du monde hors caméra? À l'intérieur, oui, à l'intérieur de la Sorbonne. Il y a combien du monde? Moi, j'ai entendu 200 personnes, mais je suis pas sûre du tout des chiffres. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Comment les intermittents sont venus rejoindre les étudiants qui occupaient la Sorbonne pour éviter qu'ils soient... Combien il y a dedans? Ils sont 200, je crois. Ils sont 150-200 à l'intérieur. Je les garde en ligne pour leur prévenir quand est-ce qu'ils sont. Il va, putain! Merde! D'accord!
Attends. Non, mais tu peux pas aller là, elle. Ah, oui, ça va, c'est gentil. C'est qu'on a pris les gens. Ah bah, ah bah, ceux qui font le mal. Ils sont méchants. C'est là. Ils sont pas gentils. C'est là. Devant. S'ils n'ont pas de gens à virer devant. Liberté de marché en France, elle est où? Tu qu'on a essayé de débrayer des cinémas. Il est bien. Ah, mais il est là, mais... Non, mais ils ont occupé plein de terres, ils ont débrayé. Le flic au civil, toi. Il y a 40, putain de CRS. Pour un étudiant, il y a 80 CRS avec des boucliers et des machins. Grosse matraque, tit. Allez, non, non, les gens. Tu expliques les intermittents. De la FSE, j'appelle, je suis à côté de... Voilà, donc en fait, ils sont toujours dans la Sorbonne, les mecs qui occupent. Et là, il y a les flics, ils ont encerclé un rassemblement d'étudiants et d'intermittents. D'accord, voilà. Voilà, donc c'est Myriam qui m'a dit de t'appeler. Voilà, d'accord. Ok, ça marche. Bon, à plus. Ciao. Sont venus à la rescousse donc des étudiants. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, je suppose que les CRS vont les amener à la bouche de métro ou les arrêter, mais je pencherais plutôt pour qu'ils les amènent jusqu'à la bouche de métro. Ah bon? C'est la police qui amène les intermittents à la bouche du métro. Ah oui. No problem. TV. CNM. Yes, exercice. Yes. No. Thank you. For a new law. For the new employment in France. C'est job started. Contrat de premier embauche. The students are fighting against the government because the government want to make them just like in America. Yeah. It's more yes. Policemen yes. than demonstrators. Yes. Welcome to Paris. More police than the students. Yeah, yes, normal. I see. À la bouche du métro de presse, comme on dit. Hein? Peur d'aller face à la police sans casque? Vous avez peur d'eux? D'aller devant la police? Non. Ah, c'est dangereux sans casque. Sans casque, c'est dangereux. Ouais. Il faut mieux passer par les côtés et passer devant. Et vous avez joué dans quel film? Le cri de Tarzan de Thomas Bardinet. Oh. Julie est amoureuse de Vincent Deschi. Mm-hmm. Et Van Gogh de Maurice Pialat, quand j'étais tout petit. Et oui, vous avez commencé très tôt. J'ai commencé très tôt, ouais. Et vous vous appelez comment? Julien. Oui. Julien Oran. Oui. Vous pouvez m'appeler Julien. Oui. Voilà. C'est ça, vous? Je n'aurais pas eu de comédien parce qu'on ne les voit pas derrière la police. Ben non, ils sont cachés. Oui. Ils sont cachés. Faut pas montrer les comédiens. C'est dangereux de montrer les comédiens. C'est quoi? Intermittent, solidarité, étudiant, intermittent, solidarité. Je vous dis même.
C'est pas la grippe aviaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont arrêtés. Hein? Ils les ont arrêtés. Ah bon? Bah ouais, ils étaient rassemblés sur la place. Puis ça gêne la police, quoi. Ah bon? Ils les ont arrêtés, là? Non. Ils ont embarqué, les ont accompagnés, raccompagnés au métro. Ah oui. Mais ils n'ont pas mis en prison personne. Où est-ce qu'ils sont maintenant, les gens? Ils sont dans le métro. Ah! Et donc, il n'y a plus personne, à part la police. Thank you.
fromage. Est-ce que vous leur faites confiance, madame? Est-ce que vous leur faites confiance? Confiance à qui? À la caméra et à le journaliste. On pose une question, on répond. C'est ridicule, tout le monde a le droit de savoir. Oui. Il se passe rien à l'intérieur de toute façon. Ce que vous voulez savoir. Je voudrais juste comprendre que ça sert à rien de rentrer parce qu'il faut ressortir deux secondes après, il n'y a oui, rien tout à faire. Fait. C'est ça que je... tout à fait. Vous êtes en... non, attendez madame, excusez-moi, mais je tiens pas à ce que vous filmez. Deux petites secondes. Vous venez de sortir de. Vous venez de rentrer dans l'établissement ou pourquoi vous êtes ressorti? Parce qu'on ne peut pas aller plus loin que dans la cour d'honneur en fait. C'est bloqué après à l'intérieur. C'est bloqué par qui? Ah, on n'a pas vu en fait, il y a des tables devant les portes et apparemment il y a des étudiants à l'intérieur. J'ai pas vu de force de l'ordre, mais je sais pas qui est-ce qu'on veut. Donc vous ne pourriez pas avoir cours ce matin encore? Bah non, justement on est venu pour aller en cours et impossible de rentrer, donc j'imagine que les profs ne sont pas rentrés non plus, donc il n'y a pas de cours. Pourquoi tu as besoin de mettre que tu es en grève? Ça c'est pour la visibilité, pour qu'on puisse me reconnaître, qu'on se reconnaisse entre nous, et voilà. Et jusque là, est-ce que les médias vous ont demandé? Quelquefois. Oui. Oui. Et c'était qui? Quelle chaîne? C'était... y a eu quelqu'un de l'AFP, il y a eu quelqu'un de 20 minutes aussi. Oui. Il n'y a pas de télé qui m'ait demandé à moi personnellement, mais qui ont demandé à d'autres grévistes, qui ont interviewé d'autres grévistes. Les journalistes, oui, c'est ça, c'est qu'ils doivent filmer que des anti-grévistes, alors qu'il n'y a pas que ça, et il n'y a pas que des gens grévistes non plus, des gens qui sont intermédiaires entre les deux. Oui. On les oublie un petit peu trop, quoi. Oui. Des gens qui soutiennent le mouvement, mais qui ne sont pas forcément pour ce genre d'action, je sais pas. Non, je pense que c'est dommage que vous ne puissiez pas filmer ceux qui sont à l'intérieur aussi, pour avoir leur point de vue. Et je pense que face... Elle n'est pas journaliste, elle n'est rien... Hier, je l'ai... C'était avec les gens, monsieur. Et alors, hier, je... Non, voilà. C'est un provocateur. Hier, j'ai filmé justement l'Assemblée générale et de ceux qui sont dedans. Oui. Donc maintenant, vous filmez pour vous ou vous filmez pour... Non, je filme pour toutes les parties de gauche et pour tout ce qui est possible, Internet. Ah oui, d'accord. Oui. D'une action d'occupation, ça répond à une autre violence. Et si on évacue ça, je pense qu'on ne comprend rien à la politique française. Mm-hmm. On est dans une période de durcissement, n'est-ce pas? Et face à ce durcissement, il y a une autre violence qui naît. Ça me paraît inévitable. Donc peut-être faut-il repenser la manière de dialoguer avec les étudiants, avec les enseignants, avec les problèmes de l'université qui sont réels et qui sont concrets. Bien sûr. Je ne sais pas quoi vous dire parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un clivage entre les éco-G, tous ceux qui sont en gestion et les autres, les plus sciences humaines et histoire, lettres. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre eux, même ceux qui sont en droit et ne suivent pas non plus le mouvement. Donc ça, après, il y a toujours eu ce clivage déjà entre les deux groupes qui n'ont pas les mêmes forcément buts et mentalités. Et après, ça se traduit en politique et dans les mouvements. Ceci dit, à Tolbiac, cette année, ils ont quand même réussi à surmonter cette division, puisqu'il y a une grosse partie des éco-gestions qui... Une partie, en tout cas, importante des éco-gestions qui, à la base, étaient anti-grévistes, qui ont assisté aux AG, qui ont assisté au débat et qui, ont changé leur position et sont maintenant en grève, ont aidé à bloquer Tolbiac, ont bloqué leur propre centre. Et donc, c'est voilà, quelque part, c'est positif. Mais c'est une radicalisation qui est faite également parce que on a le sentiment vraiment de ne pas du tout être écouté par les politiciens. De Villepin n'est qu'un exemple et c'est pas forcément mieux au PS, ils proposent pas grand chose non plus et forcément ça radicalise le mouvement. Ce qui s'est passé? Oui, alors à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que là les étudiants rentrent mais sont tous bloqués dans la cour d'honneur, enfin il n'y a personne a priori dans les étages.
le hall des amphis, juste devant la bibliothèque, est bloqué par des tables et des chaises, donc les deux entrées sont bloquées. Et donc l'accès à l'amphi des cartes dans lequel sont les étudiants en grève se fait plus ou moins par une fenêtre pour aller déposer la nourriture, mais il n'y a plus personne dedans. Enfin, je veux dire, la plupart des étudiants sont dans la cour en train de discuter avec les autres pour les informer, etc. Et bon, bah, à l'intérieur, c'est plus tranquille, on peut ressortir. Et vous ? Moi, je suis pas de cette institution, mais je fais partie du CNRS. Et je suis là de passage, notamment parce que ma fille fait partie des occupants de l'université. Donc, ça m'intéresse de comprendre ce qui se passe. Et voilà. Elle s'appelle comment, votre fille, le prénom ? Elle s'appelle Maya. Intègre l'autre, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse se construire sur le même, l'identique. Il faut faire la part de celui qui est différent, de l'autre raison, de l'autre manière de penser. Et dans notre société, je ne vois pas où est cet espace pour la différence, pour l'autre, pour celui qui ne pense pas comme soi. Voilà, c'est vague, mais je pense qu'il y a peut-être... Il faut que vous précisiez un peu. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à être assez... Vous êtes étudiant en quoi ? Histoire et sciences politiques. Donc j'ai des modèles, des modèles dans ma tête, mais c'est vrai que plus je parle avec d'autres personnes et plus je me rends compte que... Il y en a qui ont tendance à rejeter les modèles finalement, l'idée de modèle, et qui vont emprunter des bouts un peu par-ci par-là, et oui, ça veut de façon dire très pragmatique, ouais. C'est-à-dire on essaie d'associer des bouts de ficelle et de survivre. Voilà, mais au-delà de la survie, est-ce que c'est vraiment la fin des idéaux et des utopies? C'est vrai que les grandes utopies, par exemple l'utopie marxiste, ça a été un échec. Enfin... C'est pas un échec, c'est parce qu'il est utilisé quand oui. Pas des gens mais qui... Mais il est considéré maintenant, enfin il est vu comme tel maintenant. Mais c'est parce que vous... À tort ou à raison, je mais je c'est pas de complètement erroné parce que dans toutes les universités américaines, on prend le capital pour le détourner. Il faut le prendre pour s'en servir et aller oui. Plus loin dans non, le socialisme. Oui, je suis d'accord, mais c'est un modèle qui aujourd'hui ne plaît plus à qui aux médias, qu'est-ce que vous savez? Non, même ce qui se peut vous poser par donc il y aura une AG à 10h30 dans l'amphi des cartes et voilà. Il faut rentrer par la fenêtre parce que les portes sont bloquées. Non, je ne sais pas. Mais bien, parce que sinon c'est dangereux, tout le monde peut accéder. Oui, mais c'est pas le problème. Justement, l'AG, c'est pour qu'on ait un débat, c'est pour qu'on ait des idées qui fusent, etc. Et que, enfin, vraiment, qu'il y ait un vrai débat. Et ce sera comme ça qu'on arrivera à convaincre des gens que notre cause est... Enfin, ça les concerne aussi. Et voilà, mais qui est bloqué? Qui est bloqué? C'est, bah, toute la fac est bloquée. Mais qui? Qui est bloqué? Bien, toute la fac, tous les étudiants. Mais non, fac, mais qui a bloqué les portes? Ah, qui a bloqué? C'est donc les grévistes qui ont bloqué qui ont mis des gros barrages et voilà, et qui maintiennent les portes de l'amphithéâtre ouvertes. Ah, mais c'est bien. Et du coup, la place de la sorte, enfin là, pardon, la cour d'honneur sert un peu de lieu de réunion. Il y a plein de groupes partout, tout le monde discute et c'est assez sympa en fait. Pour l'instant. Après, on verra. Ouais, voilà. Et on a eu des délégations d'autres universités qui sont venues nous voir, nous apporter leur soutien voilà, pour nous dire que bon, éventuellement ils essaieraient d'envoyer des gens en observateur pour voir ce qui se passe, pour éventuellement apporter des conseils, etc. etc. Oui.
On peut pas les voir ? Non, c'est fermé. Ok, merci, bonne journée. C'est une activité, hein. Fermé. Et jusqu'à quand ? Il n'y a que la cour d'honneur à visiter. Jusqu'à quand ? Vous sortez vos carnets d'étudiants quand même. Voilà. Tout est fermé, il n'y a aucune activité. Les amphis sont fermés. Les salles de cours sont fermées. Les demain. Bureaux sont fermés. Non mais elle est derrière toi, t'inquiète pas, c'est ça. Mais jusqu'à quand? Mais toute, excusez-moi, c'est toute la journée, toute la journée que c'est. Précisez l'histoire des cartes. Vous pouvez rentrer, mais si vous voulez une carte. Oui, non, mais est-ce que on est sérieux. On est sérieux, ça, maintenant, c'est le truc habitué, là. On rentre avec une carte d'étudiant ou une carte professionnelle, c'est tout. Tu vois le truc, là. Je suis vers toi. Bon, amenez-vous. Alors on avait fait une AG en fait juste avant où on avait décidé donc de faire le blocage. On n'était pas assez nombreux, donc ça a vite tourné pour une occupation de la fac. Les vigiles nous ont pas mal aidés au départ pour peut-être calmer un peu le jeu avec les forces de l'ordre, les policiers, les CRS, tout ça. On a entendu beaucoup de bruit dehors. Dehors, voilà. C'est dans c'est avant toi sur le film. Et là. Ah oui, on a entendu beaucoup de bruit, donc on a passé un peu des appels partout, tout ça, savoir ce qui se passait. On a appris que donc il y avait 80 à 100 personnes sur la place, notamment des intermittents du spectacle, donc qui nous soutenaient. Donc ça nous a redonner de l'énergie, parce que ça a été difficile, on se chamaillait beaucoup parce qu'on est tous très crevés. Et surtout on n'avait pas de nourriture. Donc pour certains on s'était levé à 7h du matin pour mobiliser les gens, et on n'avait pas, comme ça a été prévu dans la journée, et que la fac a été bloquée par les vigiles à 18h15, on n'avait vraiment rien à manger. Donc on s'est dit, si on continue l'occupation en plus plus longtemps, on avait vraiment peur de manquer de vivre. Donc on a trouvé quelques personnes pour nous passer à travers une fenêtre à barreaux, du pain, des choses comme ça. Et puis sinon on a réussi à faire rentrer aussi quelques personnes par des trous de la Sorbonne ou par une échelle, par une fenêtre, on a passé une échelle du premier étage, tout ça pour faire monter les gens qui avaient de la nourriture justement. Et en fait donc pareil, ils se sont fait intercepter par la police. Vraisemblablement, ils sont allés au poste. Ça a été assez agité, en fait, finalement, cette nuit, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont rentrées par une fenêtre dans une salle, mais la porte, après, était fermée, en fait. Oh, les ont fermées. Ils étaient bloqués, ils pouvaient plus rentrer, mais s'ils sortaient, il y avait la police, en fait. Donc on a négocié encore une fois avec les vigiles, tout ça, qui ont les vigiles de la fac. De la fac, ouais. Pas les policiers qui ont été assez conciliants et qui se sont arrangés pour que les policiers puissent les laisser sortir justement. Et donc voilà. Et pour les quelques-uns qui ont un petit peu dormi une heure ou deux, on s'est relevé à 6h pour discuter exactement. Mais vous venez, tu viens de ne pas dormir toute la nuit là. Ah non, j'ai pas dormi là. J'ai dormi une heure et demie. Ah bah parce que ça fait 3 jours que je n'étais pas lavée, là je viens de prendre une douche, alors je me sens nettement mieux effectivement. Et donc voilà. Et puis là en fait on a eu pas mal de contacts, de gens, tout ça. Je pense que ce soir ça va être animé, donc c'est pareil, ça donne un peu
Mais, de joie. Mais vous êtes sortis, mais les autres sont restés? Alors, en fait, donc, ce matin, ça a été difficile parce que certaines personnes, des gens mobilisés, se sont mis à l'écart et ont commencé à faire des actions un petit peu en solo, tout ça. Donc, on a eu peur des dérapages. On a réussi quand même à canaliser ces quelques personnes qui étaient 5 ou 6 seulement, qui foutaient un petit peu le bazar. Donc on a mis en place certaines règles, exactement notre action. Quoi par exemple? De pas rentrer dans les sous-sols, des choses bêtes comme ça, de ne pas casser aussi. Il y a eu des barrages faits devant les portes, et donc il fallait surtout pas, dans la mesure où la Sorbonne c'est un monument historique, il faut surtout pas que ça devienne un saccage ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, ça, ce problème, ça s'est réglé. Et donc, après, on était à la fenêtre, je ne sais pas si vous y étiez, en disant aux gens, parce qu'il y avait beaucoup de gens ce matin, en disant aux gens, on a faim, il faut qu'on mange. Et du coup, les gens se sont mis à un peu huer, à forcer un peu la main aux policiers, tout ça. Donc, ils ont eu un peu peur. Et donc, ils ont ouvert les portes de la Sorbonne. Et là, nous, on a bloqué pour empêcher les cours, pour que les gens aillent à l'AG, qui a lieu encore en ce moment, en fait. Et donc, moi, je suis sortie donc pour voir quelques contacts, parce qu'on a été très sollicités au niveau des radios, des télévisions, tout ça. Donc là, j'avais... Ce que j'ai vu, c'est une personne qui disait exactement le contraire de ce que tu dis, et qui était filmée par une télévision. Et j'ai demandé, mais d'où vous venez? D'où vient ce monsieur? Il n'est ni étudiant, ni prof, ni rien. Et il a disparu tel que... Et c'est un monsieur qui a dit, non, il y a... Oh, il a parlé, mais vraiment comme si c'était une radio privée qui crache tout le temps sur les étudiants. Moi, j'étais très étonnée pendant que je filmais. Et quand j'ai demandé, en fait, j'arrêtais le tournage, il a disparu. D'accord, mais ça, on sait qu'il y a des taupes, en fait. Dans nos AG, dans notre mouvement, il y a des taupes, c'est-à-dire il y a des gens qui ne sont pas avec nous, qui viennent à nos AG et qui disent souvent nos prochaines actions. Et surtout, ils mentaient puisque j'avais filmé. Oui, c'est ça, ils nous discréditent un petit peu. Mais même, on a eu... Un petit peu, beaucoup, c'était énorme. Là, je viens de voir le monsieur d'RTL, on a eu France Inter aussi, beaucoup au téléphone. On a eu France 2, on a eu La Une, avec qui on essayait de négocier justement de la nourriture, en échange de les faire rentrer. On a eu pas mal de choses, honnêtement, on a eu un... Mais c'est l'essentiel, MTC, c'est ce qui passe sur l'antenne. Sur l'antenne, ils mettent que ceux qui disent qu'il y a beaucoup contre. Contre le CPA? Non, contre l'action d'occuper le Sorbonne. Alors, il y a surtout ceux-là qu'on interviewe et qu'on met en avant. Oui, ça c'est comme c'est comme toujours, ça va souvent dans ce sens-là. Je viens d'acheter Libération, justement, je voulais savoir ce qu'ils en disaient un petit peu de ce mouvement, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils se mouillent pas, ils présentent les cinq possibilités pour le de Villepin, qu'est-ce qu'il peut faire avec le CPE, tout ça. Bon, je suis pas. Il parlait des facs de Sancy et Lille et il se mouille pas trop. Et effectivement, généralement, il garde. Pourtant, Libé, quand même, c'est plutôt de gauche, quoi. Mais il garde les gens, effectivement, qui disent pas un mot plus haut que l'autre, quoi. Et pourquoi ils font ça? Certainement, en vue des prochaines élections, je me doute. Je pense que c'est des enjeux politiques qui nous dépassent un petit peu, nous, à notre niveau. Mais puisqu'ils sont de gauche. Pourquoi ils le font? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que quoi? Les perspectives, c'est là déjà... Enfin, moi, je ne suis pas de la Sorbonne même. Je suis à l'Institut géographique de Paris 1, en fait. Donc, moi, j'ai commencé à militer sur l'Institut géographique avec Gatien et Félix. Donc, on a vu qu'il fallait qu'on se coordine, tout ça. On est venu directement à la Sorbonne. Donc là, les perspectives, c'est surtout de faire une contagion, parce qu'il n'y a pas que la Sorbonne, il y a, depuis mai 68 justement, il y a plein de petites structures autour,
comme le Panthéon, comme Mabillon, comme l'Institut de Géo, enfin il y a plein de... la médecine aussi. Donc ça, il faut que ça marche par contagion maintenant pour le Quartier Latin, parce que je pense que il y a vraiment quelque chose à faire, une coordination à faire sur le Quartier Latin, parce que c'est quand même pas un quartier qui a des potentiels de gens mobilisables assez élevés d'habitude. Et là, c'est assez remarquable, déjà, je pense, par rapport à ce qu'on connaît comme mouvement de résistance à la Sorbonne. Et puis surtout, ça donne... j'ai eu beaucoup de contacts avec Tolbiac, Jussieu, Nanterre. Ça leur donne beaucoup d'énergie. D'ailleurs, ils vont venir nous soutenir ce soir, certainement. En faisant un peu de bruit, tout ça, sur la place de la Sorbonne. Ah, à quelle heure? Je ne sais pas du tout. Donc je pense que c'est vraiment parti et que bon, une fois que les gens sont mobilisés, sont dans le truc, là il y a pas de raison qu'on lâche le morceau tout de suite, quoi. Et tu connais Maya qui était dedans? Maya, elle s'appelle Maya de la Sorbonne? Non. Non, non, je connais pas Maya. C'est sa mère qui était devant et que je viens de filmer, c'est pour ça. Ah bon. Mais vous êtes sûr c'est Maya, parce qu'il y a une jeune fille, effectivement, qui est à Sud, mais qui s'appelle pas tout à fait Maya. Du Sud, c'est brune, oui. Oui, bah si, je la connais alors, mais il me semble que son nom est un peu plus compliqué que Maya. Peut-être, parce que la famille, peut-être. D'accord, bien. Mais on va voir cet après-midi-là. Cet après-midi. Mais le soir, quand ils viendront, les autres. Parce que moi, je ne peux pas rentrer dedans. Oui, je sais. Mais je pense que, y aura presque plus d'agitation que dehors que dedans. Nous, on essaie d'organiser des petites choses là pour dedans, justement des petites projections, des débats, des choses comme ça. Mais je crois qu'on est vraiment crevés et qu'on va surtout essayer de se reposer. Donc ça sera certainement plus agité de votre côté cette nuit. Voilà. Ils vont faire le tour à mon avis, ouais.
coup. Centre de Tolbiac. Oui, c'est ça. Mesure de précaution. Les poulets à la maison. Une femme. Mesure de précaution. Les poulets à la maison. Mesure de précaution. Les poulets à la maison. Mesure de précaution, les poulets à la maison. Contre la grippe aviaire. Mesure de précaution, les poulets à la maison. Tolbiac, Sorbonne, Paris 1, ça c'est le même combat. Ouais, oui. C'est le même combat. Okay. Depuis quand tu cries? Depuis quand je crie? Depuis quand les manifestations ont commencé en Ile-de-France? Oui. Oh, depuis quoi? Ça fait 2 semaines. 2 semaines? Oui, deux semaines que je crie comme un dingue. Oui. Et voilà. On a occupé les Champs-Élysées aujourd'hui, la place de l'Étoile. Ah oui? Il faut regarder la télé ce soir, madame, on sera là. Ah, pensez-vous, vous serez 2 secondes de la télévision. Pardon? Moi, je suis étudiant en masse, Matapiché au sens social, qui est très contre la grève, en fait. Qui est contre ce qu'il y a un mouvement anti-grève assez virulent, mais bon, c'est pas grave, on est plus qu'eux, donc bon, on s'en moque. C'est ça qu'il nous faut. Vous êtes élu de quel adjointe au maire de Paris, madame. Mais attendez. Adjointe de Paris. Et votre nom? Calandra.
Calandra, Frédéric Calandra. C'est pour l'histoire. Et donc pour dire ce qu'on avait établi, c'est qu'on peut faire un filtrage et que les personnes peuvent donner nos noms, on a nos cartes d'étudiants et tout ça, parce qu'on est là pour discuter, pour créer. Mademoiselle a fait toute la gide cet après-midi. Donc, oui, à deux, cette nuit, tout ça. Moi j'étudie la littérature, la psychanalyse, à Saint-Denis, Paris 8. Mmh. Plus tard, c'est sûr que j'aimerais bien travailler dans une institution, donc en tant que salarié. Mmh. Pour plein de raisons, les métiers psy sont menacés, dans leur intégrité, dans leur façon de travailler. Et en plus, si au niveau du contrat on a même plus de sécurité, c'est vraiment la fin de beaucoup de choses. Et voilà. Et des étudiants qui aimeraient bien rentrer dedans. C'est tout, il n'y a rien. Il n'y a pas de
embrasser les fleurs, c'est comme un baiser sans moustache. Pour les cours. Voilà. Oui. Et tu étudies en quoi? En théâtre. Oh! Et alors ça marche? Ah, trop bien. Ça marche trop bien. Et vous, vous faites quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il a dit? Si j'ai bien entendu, il disait qu'il fallait qu'on se teste parce qu'il allait parler et qu'il y avait les médias, il y avait toutes les télés d'Europe autour de nous et qui allaient filmer pour que l'information se diffuse dans toute l'Europe et si possible le monde. Quelle information? La misère. Ce qui se passe, que la savane est bloquée par la police, qu'on se bat tous contre le CPE et que le gouvernement nous écoute pas. Aucun chef. De qui vient cette information? De site internet de la Sancier.
C'est écrit sur le site internet de Foncier, c'est Bertrand qui a écrit ça. Qui veulent donner les cours, je sais pas, ça doit être. Non mais s'ils donnent les cours, enfin si on bloque, il n'y aura pas de cours, c'est possible. Ouais, non mais ils disent qu'ils veulent faire ça pour qu'il y ait max de monde qui vienne nous faire chier quoi. Donc, attends, parce que déjà ils avaient. Non mais ils avaient balancé un mail à plein de gens en disant que comme il n'y avait pas beaucoup de monde à la fac, ils allaient rouvrir toutes les portes et ça ils l'avaient fait mercredi dernier. Et il l'avait envoyé à 7h15 le mail. Ça veut dire que. Là ça a été dit ce matin, ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quelqu'un est allé sur le site internet. Mais pourquoi est-ce qu'il veut fermer les portes? Non, ils veulent. Non, ils veulent remettre les cours, excuse-moi. Mais pour nous faire mettre des bâtons dans les roues. Pour discréditer notre mouvement. Donc faut que max de monde demain matin 7h30 devant les portes de Sensier. Faut qu'on apprenne. Parce qu'il faut savoir que notre force, c'est notre organisation interne. Et on est tous unis quoi. Un maximum. C'est pas des mouvements. Et nos professeurs nous soutiennent. Administratifs, enseignants, personnel, tout le monde est avec nous. Ils sont en grève avec nous depuis une semaine. Et c'est un soutien absolument indispensable qui nous donne une crédibilité énorme dans notre combat. Et là, apparemment, il y a des gens qui se liguent un peu contre nous et on va pas les laisser faire parce que ça fait deux semaines qu'on est bloqué et on va pas s'arrêter maintenant parce qu'il en est hors de question. On n'a pas commencé pour s'arrêter si facilement. On s'est pas arrêté après la grève, on va pas s'arrêter comme De Villepin voudrait parce qu'on va s'essouffler d'après lui, parce qu'il laisse traîner le mouvement. On s'essouffle pas, on était environ plus de 200 à notre trajet ce matin. Elle a peut-être duré 5 heures, mais au moins elle a duré. Non, on était au moins 700. On était 700. Minimum. Au moins. On était 700. Voilà. J'ai pas voté, moi j'ai pas. On a voté la reconduction du blocage de la grève et du blocage de la fac et de la grève. Et il y a de plus en plus de personnes mobilisées. Voilà, on a la Sorbonne là qu'on est venu défendre. Et à savoir qu'un groupe de Sensier ce matin dont j'ai fait partie est rentré dans cette faculté de la Sorbonne. Elle les a aidés à organiser ce barrage, à organiser leurs assemblées nationales. C'est eux qui ont fait le gros du boulot, on les a que aidés. Et c'est eux qui ont fait ça, on est fiers de nous, on est fiers d'eux parce qu'ils font vraiment quelque chose d'utile contre ce CPE qui ne mènera à rien. Salut! Ça ne servait à rien. Mais non, on n'est pas d'accord avec ça et attendre servira. Mais qui le dit? Qui? C'est une élue qui n'est pas mandatée, qui est chargée de faire le dialogue entre les étudiants et le recteur. Et elle a dit quoi exactement? Ce que j'ai compris, c'est que attendre ne servait à rien, qu'ils n'ouvriront pas avant demain, je crois. La Sorbonne. Comment? La Sorbonne. Je sais pas. Ce sont les... Les gendarmes, ils sont aux 35 heures, faut bien qu'ils rentrent chez eux un moment. Nous, on est étudiants, on a tout notre temps et on restera là. De notre fac, on est toute la journée debout. Aujourd'hui, on a fait gare de Lyon, l'étoile à pied. Tu vois, ouais, donc là, les gens, c'est chez moi. Quoi, la Sorbonne, elle était chez moi une heure. C'est vrai que c'est pas que les étudiants. Ouais, je viens une heure aussi.
nourriture. Hein? Là, ils sont en train de leur faire passer de la nourriture. C'est où la nourriture? Là. Ah oui, oui. C'était le seul moyen pour que ceux qui veulent rentrer après puissent rentrer et rejoindre les autres, qu'on soit plus à occuper. Personne qui, soi-disant, venait assister à cette séance, mais malheureusement, je ne sais pas qui. Quelle séance ? C'est une séance qui avait été décidée par le service des étudiants de la ville culturelle, et sur toutes les manifestations qu'il devait y avoir pendant la semaine, jusque-là, il y en a eu 4. Donc, mais en même temps, je comprends parfaitement la colère de ces jeunes aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au gouvernement. C'est une décision complètement inique et qui doit être abrogée. Et vous êtes poète ? Absolument, j'essaye. Et comment vous vous appelez ? Philippe Serin. Alors Patrick, est-ce qu'il y a des journaux que je voudrais filmer ? Alors tous les journaux sont vendus à cause des événements ? Non, ils ne sont pas tous vendus. Même avec les événements, les gens n'achètent pas des journaux. C'est dommage. Que ils achètent, mais pour le livre, c'est la journée du livre, 50. Parce que c'est le salon du livre. Alors tout le monde achète les journaux à cause du salon du livre. Ah bon? Et oui. Papa, est-ce que la Sorbonne est occupée? Hier soir, ton kiosque était carrément... J'avais peur qu'il soit balayé à minuit. Je suis là pour les manifester. Et je suis là par solidarité pour soutenir. Vous êtes quelle tendance ? Nation qui est pacifique et favorite le débat, le débat. Elle a déjà pris le papier. Allez, Parisien. Et puis vote pas les gens. Tout filmé. Ah
moins. C'est bon de négocier un truc contre c'est quoi la loi sur l'égalité des chances avec un sénateur, c'est assez sympathique. Mais il y a des sénateurs de gauche qui sont opposés, hein, qui ont voté contre. Ouais, et puis il y en a au premier vote qui n'ont pas eu le choix. À chaque fois, c'est soumis à l'AG pour le journaliste. Bah, oui, mais c'est la vie. Alors, madame, c'est le jour de votre vie? Vous êtes touriste? De quelle nationalité? Dommage, chère madame, c'est moi qui ai fait les leçons de théâtre dans toi en vitesse, l'état de bonheur permanent, deux grèves de la faim contre les médias. Vous aurez une seconde à la télévision parce qu'on ne vais jamais défendu ce que je défendais. Donc, vous n'existez pas à la gauche. D'accord. Ne criez pas trop fort, parce que vous ne pouvez pas entendre. Cela dit aussi. Petite air, là. Ah, tu es là, elle est là. Elle est là, elle est là. Bon, alors. Bon, tu peux y aller tout le monde. C'est normal, là. C'est un beau métier. Il y a une sur le parc. Il faut ouvrir maintenant. Bah, reste là, toi. Ouais. Tu es du quartier, toi. Bon. Allez. D'accord. Non, toi, tu es du quartier. C'est là. Il gagne du temps, il a sa chambre dehors et ça crée la division. On est là, on est décalé, on est là. Pour pousser, parce que sinon on ne va jamais rentrer. Alors il y a trois élus et trois étudiants, point barre. Et les autres, si vous voulez bien, vous décalez. Voilà. On est étudiants. Allez, oui, les étudiants, vous décalez, vous ne rentrerez pas. J'ai trois. Non, 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 monsieur. Allez. Oui, j'ai choisi les étudiants. Attendez, et les mecs sont avec hier, on a parlé avec le recteur. Si on a pu occuper les locaux comme ça, c'est parce que ça a été négocié longuement, durement. Il nous a même laissé toute la fac ouverte alors qu'on avait demandé que le hall des amphis. Et ça s'est bien passé, d'accord? Donc on rentre. Hier, il n'y a pas de problème, mais on ne cède rien. Allez, on respecte le vote de la GIL. Voilà. Les élus, Céline, elle ne rentre pas par Isa. Non, non, par Isa. Bonjour, monsieur Céline. Trois étudiants. C'est le recteur ? C'est le recteur. Monsieur le recteur, pourquoi avoir fait fermer le CRMC ? Pourquoi avoir fait fermer l'université ? On nous empêche de faire notre AG, notre Assemblée Générale. Mais pourquoi ne pas avoir laissé les étudiants l'occuper comme ils avaient voté en majorité? Pourquoi ne pas avoir laissé les étudiants l'occuper? Parce que vous considérez qu'occuper, c'est une fonction normale de l'université. Eh bien, je ne considère pas cela. Les cours n'ont pas pu avoir lieu parce que justement les couloirs étaient fermés, les salles étaient fermées. Donc, quand nous avons vu que les cours n'avaient plus lieu, nous avons fermé en fin d'après-midi. Les étudiants qui étaient à l'intérieur, ils ont pas mis dehors. Est-ce que c'est vous qui avez appelé les étudiants s'exprimer? C'est du CRS. Qui a appelé les CRS pour faire venir? Mais monsieur, c'est normal de laisser les étudiants s'exprimer sur la, à partir de cette heure. Mais les étudiants qui sont venus nous reposer. J'avais cru qu'ils allaient répondre. Comment? Il se paye comment? Jean-René Pitt, je crois. Le recteur. Le recteur, oui. Animal recteur. Qui vient me filmer là. Allez. Bon, tout à... tu veux pas passer? Hein? Je suis à la place là, à la place de la Sorbonne. Je t'attends. Je t'attends. À tout de suite.
Et là, quelles sont les dernières évolutions? Les dernières évolutions, c'est qu'il y a la fanfare des Beaux-Arts, là, qui met un peu d'ambiance. Ah! Et ceux qui occupent la Sorbonne sont juste au-dessus de la porte. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les sénateurs et une députée qui sont rentrés en négocier. Ah, je sais pas, là, je viens juste d'arriver, là, Maria. Ah oui, d'accord. Donc, je peux rien te dire d'autre. Ok. Mais là... Moi, je fais pas grève. Moi, je venais juste écouter des fanfares. Ah, mais bon. Mais c'est ça s'est arrêté. Pourquoi je voulais vous dire que le divertissement est le pire ennemi de la démocratie. D'accord. Retrait du CPE, ils disent. Quoi? Ils disent retrait du CPE, on dirait. Ah oui. C'est normal qu'ils en viennent là. Et puis t'as des... Oh. C'est fermé, hein. Ah oui, c'est mais fermé, non. Même pour vous. Ah oui. C'est fermé. Oh non. Vous êtes une étudiante. Oui. Comme ça. C'est pour éviter d'être assiégé. Ah bon? Ouais. Ah pardon. On évite de... Vous choisissez votre temps, madame. Vous êtes arrivé de manifestants, vous êtes parmi l'or. Oui. Moi, je choisis de manger, nous. On est en l'or. Ah oui. Mangez dans l'or.
Exactement. Donc la porte fermée, ça vous dérange absolument pas. Ouais, puis au moment où il y aura gaz et gaz lacrymo, c'est ultra clair. Ouais. Exactement, ouais, parce que en plus, moi je n'aime pas trop tout ça. Et non ? Maintenant, il faut rester dedans, il ne faut plus sortir. Ah oui, pourquoi ? Vous demandez des droits après. Hein. Ouais. Non, maintenant, vous restez dedans. Vous ne sortez plus. Comment ? Les gaz. Non, c'est étanche. C'est les gens de tout, le ratage. Oui, mais vous, ça fait combien d'années que vous habitez ici ? En 68, vous avez vécu là ? Non, peut-être pas encore. En 68, tu n'étais pas là. Je suis venu en 73. Il n'y avait plus la révolution, là, c'était fini. Mais je suis là depuis 80. Ouais. Et puis, vous, c'est ça que j'allais vous poser comme question. C'est pour ça que je voulais savoir. Ça sert à rien, vous avez vu pire. Bon, ben bah, voilà, c'est ce que je vous disais, ça c'est une bagatelle. Sauf quand vous faisiez un rythme si. Trop longtemps, ça risque d'attirer les passeurs. Ouais. Ce qui s'est passé.
ce soir. Les syndicats de salariés, mais aussi les organisations d'étudiants et de lycéens. À l'unanimité, ils ont décidé d'une nouvelle manifestation contre le contrat première embauche, le samedi 18 mars, avec un seul objectif, son retrait pur et simple. Nous sommes au bord d'obtenir le retrait de cette mesure scandaleuse pour la jeunesse, dangereuse pour l'ensemble des salariés et qui a été décidée et imposée avec un autoritarisme rare, sans aucune concertation avec qui que ce soit. Tout milite pour que nous obtenions le retrait du contrat première embauche. Pour les syndicats et les jeunes, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. La manifestation du 7 mars a été un succès et même un tournant. Le rapport de force est en train de changer. On a gagné la bataille des idées dans un premier temps. Le 7 mars, c'était la démonstration qu'on pouvait gagner la bataille aussi dans la rue. Et aujourd'hui, le camp du gouvernement qui se fissure, je crois, va refaire redoubler d'ampleur la mobilisation. Parce que quand on croit qu'on peut gagner, qu'on peut changer les choses quand on se mobilise, et ben, ça donne encore plus envie d'être déterminé pour le faire. Car sur le terrain, comme ici à la Sorbonne à Paris, le mouvement s'amplifie dans les facultés.
Est-ce que tu passais une nuit calme, Patrick? Ouais, très calme. Donc il y a un moment où les 400 les CRS ont commencé à pousser les 400 personnes qui étaient devant la fac. Oui, hier soir. Hier soir, donc vers minuit, minuit et demi. Mm-hmm. C'était le 9. Le 9, ouais. Le mm-hmm. mercredi 9. Mm-hmm. Mars. Non, c'était le jeudi 9 mars, 9, oui. Donc ils ont commencé à pousser ces gens. Au bout d'un moment, ils ont fini par gazer, donc les gens sont... Oui, tourne-toi. Les gens se sont dispersés. Mmh. Nous, à l'intérieur, on était 40 à peu près. On s'est réunis dans l'amphi et on était au téléphone avec ceux qui étaient dehors pour se renseigner sur ce qui se passait. Mais tu étais dedans ? Moi, j'étais dedans, oui. Ah. Oui, j'étais dedans. Donc bon, la nuit a été assez calme, hein, puisque à peu près au moment où ça a commencé à gazer, on a obtenu du recteur la garantie qu'on ne serait pas expulsé si on ne s'en prenait pas aux vigiles ni au matériel et qu'on respectait les lieux, quoi, en gros. Donc la nuit s'est bien passée parce qu'on a respecté les lieux. Eux dehors, ils sont regroupés à Saint-Michel dans un... Enfin, ils sont regroupés, boulevard Saint-Michel. Ça s'est agité un peu jusqu'à ce qu'ils se dispersent. Ce matin, ils ont ouvert à 8h moins le quart la fac. Pendant une demi-heure, les gens sont rentrés. À ce moment-là, moi et quelques autres, on est sortis prendre un café. Et 20 minutes après, en revenant, c'était fermé. Et donc, vous êtes restés dehors? Donc là, on est coincés dehors depuis tout à l'heure. Oui, et comment vous allez réintégrer la Sorbonne? Ben, a priori, là, pour l'instant, on ne réintègre pas, quoi. Jusqu'à... S'ils bloquent toute la journée, je pense que lundi matin, on sera là à 7h30 pour re-rentrer... Pour rentrer au moins, pour être à l'intérieur, quoi, pour récupérer au moins un amphi, etc. Mais pour l'instant, on ne rentre pas. Quoi. Mais où est-ce que vous dormez là-bas la nuit ? Il y a un amphi, c'est l'amphi Descartes, qui a été occupé le premier jour et qu'on occupe depuis. Dormez où ? Sur les bancs ? Sur les bancs. On s'est un peu répartis dans les... Parce qu'il y a des tables, les bancs sont pas très larges, donc on est allé dans d'autres salles où les... un peu plus confortables. Et voilà, on est un peu répartis un peu partout. Quoi. Là où on peut, quoi. Et je vais filmer alors moi je suis en licence de philosophie à Paris 1. Oui. Et comment
comment ça va tourner. Je pense que ben, ça a l'air de... Enfin, on a pensé mercredi que la manif de mardi avait un peu marqué la fin parce que on avait l'impression, en tout cas à Paris 1 ou à Sorbonne, que les gens étaient plus très mobilisés, ou en tout cas que mercredi matin on n'était pas nombreux. Mmh. Puis en réalité il s'avère que pas du tout. Nanterre, qui a eu un jour de flottement, a repris la grève de plus belle. Je suis aussi. Ici hier, on a eu des doutes aussi à un moment et puis c'est reparti tout aussi bien. Donc je pense que pour l'instant on n'est pas prêt d'arrêter. Et s'ils nous laissent pas entrer aujourd'hui, on reviendra lundi. Quoi. Et aujourd'hui, comment ça va évoluer d'après vous? On ne sait pas comment ça va évoluer, mais s'ils continuent à bloquer, on ira faire un. On ira tenir l'AG au Panthéon. Ah oui. Sûrement. Ah oui, d'accord. Et puis voilà. D'accord. Puis lundi matin, 7h30, quoi. D'accord. Ah, merci, ah oui, tu l'avais dit tout à l'heure. C'est bon, je peux y aller? Oui. Je m'appelle Paul Duke, je suis journaliste à la Associated Press, une agence de presse américaine. Et je suis venu faire un reportage sur les mouvements des étudiants contre le CPE. Alors pour réaliser le reportage dans les meilleures conditions, bien sûr, il faut trouver tous les avis, il faut parler à des étudiants qui sont contre le CPE et il faudrait, dans la mesure du possible, trouver quelqu'un qui serait pour et comparer les deux points de vue. Et alors, jusque-là, je vois la presse toujours parler avec des gens contre le mouvement. Bah, là, vous voyez, il y a quelques journalistes, mais il y a aussi énormément d'étudiants. Et donc, ça m'étonnerait que vous trouviez des étudiants qui soient contre le mouvement, parce que c'est eux qui font ce mouvement. Ah, très bien, mais vous interviewiez monsieur qui est plutôt contre le mouvement. Non, monsieur que j'interviewais était pour. C'est un maître de conférence ici à la Sorbonne et qui était pour le mouvement. Ah oui? Oui, tout à fait. Et tous les gens à qui j'ai parlé pour l'instant sont pour le mouvement ou bien ils en font partie, justement. Et donc, ça dépend si mon reportage est bon, bien sûr que je pourrais le passer et le publier. Mais ce qui compte, c'est de faire une bonne analyse du sujet. C'est pas de donner un avis. Au contraire, c'est justement le but d'une agence de presse, c'est de donner une information brute, de dire voilà, il s'est passé ceci à tel endroit, à telle heure. Et il ne s'agit pas du tout de donner un avis. Parce que vous croyez qu'en faisant le montage, vous ne donnez pas un avis? Mais le montage n'est que non, avis. Pas du tout. Non, nous, on ne montre que ce qui s'est passé. Ah. Bien sûr, on choisit de montrer ce que l'on veut. Ah voilà! Voilà. Vous l'avez dit. Mais on fait en sorte que ça représente au mieux ce qui s'est passé. On ne donne jamais un avis, que ce soit personnel ou l'avis de l'entreprise, jamais. Et vous croyez que quelqu'un vous croit? Si tout le monde montre la même chose, eh bien forcément, les gens seront amenés à y croire. Ah donc, vous êtes unifié tout... Non, pas du tout, pas du tout. Justement, si tout le monde montre chacun de son côté la même chose, qui s'est passé exactement la même chose au même endroit, s'il y a plusieurs témoins qui disent la même chose dans un procès, c'est exactement la même chose. C'est comme... Tout ce que je peux vous dire, c'est que les médias français ont montré souvent des témoignages contre le mouvement. Je ne sais pas, je ne regarde pas la télévision française. Vous êtes américain? Non, je suis anglais, mais je travaille pour l'agence américaine.
Vas-y. En fait, c'est des étudiants et des lycéens et des profs. Enfin, les profs, je sais pas s'ils sont là encore ou pas, mais ils manifestent contre le CPE. Parce que vous savez ce que c'est le CPE. Mm-hmm. C'est, en fait, c'est le contrat première embauche. C'est un contrat où pendant 2 ans, on est en période de, en fait, d'essai. En fait, pendant 2 ans, on peut se faire virer du jour au lendemain. Et ça a été appliqué. Et là, ils sont contre ça et ils manifestent. Voilà. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont essayer de bloquer la Sorbonne, mais ils ont pas le droit. C'est un monument historique. Mais c'est bloqué, c'est déjà. Ouais, mais c'est bloqué, mais c'est fermé, en fait. Uh-huh. C'est pas comme si eux, ils étaient rentrés. C'est pour ça qu'il y a la police partout, ça un peu, mais il va rien se passer. Ils veulent rentrer, ils ne peuvent pas. Ouais, je pense. Ouais. Voilà. Bon, je vous laisse. Oui. Au revoir. Là, ce qu'on a décidé, en fait, c'est que depuis hier soir, il y a des camarades qui sont séquestrés dans la Sorbonne, qui sont enfermés. Et donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on vient pour leur filer notamment de la nourriture et pour leur apporter notre soutien. Mm-hmm. On leur apporte des nouvelles, tout genre de trucs. Le problème, c'est que c'est pas une manif qui est autorisée. Mm-hmm. Et du coup, on s'attend à des charges de CRS, gazage et compagnie. Parce que. Parce que voilà quoi. Bah, je vais participer aux courses. On a donné de l'argent. Oui. Mais après, c'est pas ce qu'ils ont acheté exactement. En fait, ça, l'argent pour aller faire les courses, il a été pris dans la caisse de grève. Mais après, ce qu'ils ont acheté, j'ai vu qu'ils avaient acheté du pain de mie. Plein de pain de mie. Du pâté, de l'eau, de l'eau aussi. De l'eau. À mon avis, ouais. Oui, mais on ne peut pas vivre qu'avec de l'eau. Vraiment, c'est sûr. Mais. Je crois qu'on leur a apporté. Ils ont acheté du pain de mie aussi. Du pain de mie, ouais. On a essayé de leur donner tout simplement par les fenêtres ouvertes à travers les grilles puisque les fenêtres sont grillées et à chaque fois il y a des policiers qui arrivent et qui nous empêchent de leur donner quoi que ce soit. Et surtout le truc c'est qu'il faut qu'il y ait d'autres gens qui rentrent parce que eux ça fait déjà une nuit et un jour qu'ils y sont, ça va faire la deuxième journée, ils pourront pas tenir tout le week-end quoi, donc il faut qu'il y ait des gens qui rentrent quoi. Et l'Assemblée a décidé quoi? L'Assemblée a décidé qu'il fallait, enfin il n'y a pas de décision précise, mais qu'il fallait tout faire pour qu'on puisse entrer dans la Sorbonne. Quoi. Et rester. Et rester. Est-ce qu'il faudrait déjà du renfort pour la chaîne? Parce que là on n'est pas assez. Il y a personne. Là il y a une charge au tombe, hein. Il n'y a qu'une seule ligne. Et elle n'est même pas complète. Mais là, ils vont aller chercher du monde pour le renfort ici. Ouais, mais enfin, ce qui est clair déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ce que c'est l'UNI. L'UNI, c'est une fusion de la droite et de l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est des fachos. Nous, on n'est pas des gauchistes, nous, on est des étudiants qui se battent pour leurs droits. Nous, on se bat pour pouvoir vivre normalement dans le futur. On se bat pour ne pas avoir un contrat journalier pendant lequel on pourra être viré du jour au lendemain sans aucune raison. Se syndicaliser, ça suffira pour se faire virer. Nous, on se bat contre ça. C'est pas être un gauchiste, je suis désolé. C'est, on réclame pas la révolution, c'est pas ça qu'on réclame. Pour l'instant, on réclame seulement d'avoir droit à un futur acceptable, c'est tout. Oui, celui qui est au milieu, là, c'est un étudiant en sociologie à Paris 5, la Sorbonne. Et voilà, il fait grève, comme vous voyez. Ça faisait longtemps la Sorbonne qu'on a fait. Ah, ça va gâcher. Come on.
c'est juste hier soir, quand on était devant la Sorbonne, à un moment, juste les CRS ont voulu passer et on était posés très pacifiquement. Et il y a un CRS voilà, qui m'a chopé par les cheveux et qui a essayé de me traîner et, voilà, et ils ont voulu nous évacuer. Et un autre CRS qui m'a regardé en me disant « touche pas à mes hommes, touche pas à mes hommes », alors que je n'avais touché personne. Donc j'ai levé les mains et j'ai bien montré que voilà, je ne voulais rien et ils ont fini par me lâcher. Et voilà. Ils t'ont touché les cheveux, c'est un lien. Oui, oui, mais je crois que je suis pas la seule, mais ils sont arrêtés quand ils m'ont pris par les cheveux. Mais voilà, ils se sont arrêtés quand ils ont. Enfin, bon, ils sont un peu énervés. Après, quand ils ont vu que voilà, je levais les mains et que c'était bon, ils m'ont lâché. Et voilà. C'était vers quelle heure? Je sais pas. Je sais pas, c'était hier soir. Je sais pas vers quelle heure c'était. Voilà. Je vais voir. Mais pourquoi vous étiez enfermés là? Ah non, 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 nous on travaille là. Moi je n'étais pas dedans, moi je n'étais pas prisonnière. Là, je suis là. Et alors, comment c'était dedans? Ah bah moi je n'ai pas rentré, madame. Hein. Et bon, comment c'était dedans? Non, non, moi je n'ai pas fait. On sait rien, on sait rien. On sait rien. Comment? On sait rien. Madame, s'il vous plaît. Oh. Ce cigale vient d'où? République dominicaine. Oh! Hey, c'est beau pays, hein? Oh! Comme toutes les îles, quoi. Oui, non, moi je dis Paris, c'est beau. La ville Paris. Ah ouais, la ville, hein? C'est magnifique. Belle. La pluie, ça a dû les... Ouais. Non, ils sont devenus ridicules. La pluie, ça a dû les faire rentrer chez vous? Non. Oui. Vendredi soir.